Je suis Daniel Fernandez. J'étais ingénieur urbain à l'UTC et je suis diplômé de 2019. Et maintenant, je suis chez Engerop. Je suis chargé d'études dans les secteurs ferroviaires. À l'UTC, j'ai fait un parcours autour du transport. Donc, j'ai pris tous les sujets autour du transport, la conception de nouvelles lignes et la définition du réseau, parce que je voulais travailler vraiment dans le transport. Et quand j'ai commencé à chercher mon stage, j'ai cherché un stage dans le transport ferroviaire. En ce moment, à la demande d'entreprise, je travaille dans la mise en accessibilité des gares en Île-de-France. Du coup, on fait les plans, on fait les notices qui décrivent les plans et décrivent les travaux, et on fait les estimations de ces travaux ainsi que le façage de ces travaux. Après ça, après la conception, on va passer en partie travaux et on va faire le suivi des travaux. Donc on n'est pas conducteur de travaux, mais on fait le suivi, c'est-à-dire qu'on va être en arrière des travaux, on va regarder ce que l'entreprise travaux fait et s'assurer qu'elle fait bien, c'est ce qu'elle est censée de faire. J'ai choisi l'UTC parce que l'UTC elle permettait d'avoir un parcours qui n'était pas uniquement ingénieur, mais qui permettait d'avoir d'autres compétences. Parce que du coup, les parcours qu'on a, il peut être complémenté par des choses autour de la philosophie, par exemple, ou des langues, ou des choses qui ne sont pas forcément au niveau ingénieur, mais qui peuvent apporter des choses à ta vie, enfin à notre vie, et qui peuvent être utiles dans l'avenir, en fait.